ce mec-là, futur star de cinéma. Vous verrez cette vidéo dans 5 ans et vous allez voir que ce mec aura percé. Voilà. On y croit. Et toi, Julien? Dans 5 ans, plusieurs séries à mon actif. Ah, plusieurs films à ton actif. Ah, imagine. Ah, lui, c'est Spielberg, mais en version Renoir, tu vois. Damn. Et lui, dans 5 ans, il aura un palmarès exceptionnel. 2 ou 3 films et 3-4 séries. Ok? Dans 3 ans, mon gars. Dans 5 ans? Cette vidéo, on la regardera dans 5 ans. Ok, comment moi, dans 5 ans, j'aurais fait un film. Ouais. Pas genre 2 mois. T'es mal, la meuf, elle se kiffe trop. Genre, non, genre non, un film, j'aurais écrit un film que j'aurais fait en long métrage, je veux dire. Mais un truc de ouf qui t'arrive. Tu serais marié ou pas? C'est bon, non. Ouais. C'est là que tu regardes ça dans 5 ans. Et tu mon mari, mais t'es sérieuse? Ah, mais il te connaissait pas de toute façon. Bah, qui sait s'il faut, c'est une... Comment tu te vois dans 5 ans, Elodie? Ok. Moi, je rigole. À Los Angeles, je serai pas ici. Aïe. Mannequin. Toi, tu te vois où dans 5 ans, t'as dit? Je sais pas. Moi, je serai partout dans le monde. Moi, je me vois à la télé dans 5 ans. Moi, je serai partout dans le monde. Moi, je serai un voyageur de malade. J'aurais pas de maison, tu vois. Dans 5 ans, quoi? Je serai toujours youtubeur, mais genre, je voyage partout. L'homme télévision. L'homme télévision. Ouais, je vois, je suis un mec qui fait la télé, en fait. Sa communauté sera impressionnante. 6 millions. De 10 à 13 ans. 6 millions d'abonnés. 6 millions d'abonnés. 6 millions d'abonnés. 10 à 13 ans. Non, ils auront... Enfin, ils vont grandir maintenant. Ouais, mais peut-être qu'ils te naîtront quand ils grandiront. Comment tu peux quitter un mec comme ça? Regardez comme il est beau. À être sur le bon chemin, tu vois. Grâce à la location. Toi, c'est... Et grâce à moi, cette fille va réussir sa vie parce qu'elle aura lu le livre. Heureusement t'es là, hein. Ah, d'ailleurs, je suis là. Elle aussi. Ouais, elle va réussir à être mannequin grâce à moi. Vogue. Ramène-toi à lui. Modèle. Et lui aussi. Moi, je vais se mettre là-bas, là. Alors lui, là, je sais pas quoi. Lui, je sais pas trop. C'est quoi, du coup, vous savez pas. Si tu réussiras dans 5 ans, tu sais pas lire et... Voilà. Lui, parce que lui, tu sais, il va lire le livre, mais tu sais, c'est passé ça. Une semaine après, il aura oublié. J'ai un gros cul, les gars. Mais on te dit un truc. Négligez. Carrément, on lui dit demain rendez-vous à 11h et il vient demain à 16h. À 12h40, avec qui? Non, mais j'avais un rendez-vous, je vous l'ai dit. Tous les jours. Non, je suis moins en retard qu'avant. 11h30. Avant, c'était 1h30. On peut pas dormir, aller travailler. Ce mec-là, toute sa vie, il mange pas à manger. C'est un truc de ouf. Ce mec-là, c'est le troisième mois. Tu manges quoi, Junior? Il mange des Toblerone grâce à moi. Bah ouais, mais tu manges quoi, Junior? Ouais, j'ai des Toblerone. Qu'est-ce que tu parles? Des Toblerone. Non? Il m'en a pas donné. T'es sûr? Hein? T'en veux, dis? Allez, là. Elle va être mannequin, elle va être mannequin. Elle mange des Toblerone, je te jure. C'est bien. Et alors, c'est quoi le rapport? C'est pas bien de manger du chocolat. Hein? Tu dois manger des céleri. Non? Moi, perso, je mange sain. J'aime les légumes. Je mange. Et on était au McDo il y a 2 minutes. Hein? Moi? Tu ouais? T'as pris un McFirst avec un hamburger, avec un sundae. Moi, je mange que bio, tout ça. Ah oui? Mais ça veut dire bio? Mais si. Ça dit quoi? Ça dit quoi, Junior? Non, mais parce qu'il mange pas bio. C'est quoi le bio? C'est dur, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi un bio? C'est un souvent de me poser ça. C'est pas bio. Vous êtes des ouf. Et pourquoi tu manges pas bio? Non, tu me demandes pourquoi je mange pas bio. Mais bio, vous êtes des ouf. Mais c'est de quoi bio? Bio. Vas-y, oui, c'est un tout déjà le mot bio. Réponds la question. Déjà le B. Attends, le B de bio, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la deuxième lettre de l'alphabet. Non, mais oui. Allez. Ça veut dire. Et tu vois? Tu sais pas ce que tu c'est sais pas? Mais si, je sais. C'est logique. Ah non, la bouche pleine. Non, mais. Pourquoi tu mens? Ouais, c'est biologie, non. Voilà. Non, mais je suis sûre de te donner la réponse. Allez, attends, quoi, la différence entre un légume bio et un légume pas bio, c'est quoi? Voilà. Non, mais c'est tout ce qui est naturel, tout ça, tu vois. C'est bon. Ah, vous avez grandi dans le bio? Et vous mangez quoi, là? Bah, bio. Un Toblerone que vous avez mangé, là, non? Moi, j'ai rien mangé. Bio, regarde mes abdos. Mais Toblerone, ça vient de Suisse. Attends, j'arrive pas à zoomer, y'a rien. Bah, vas-y, tape dedans. C'est pas... Regardez bien. C'est pas en 3D, gros. Voilà. Mon poing, il s'est fondu à l'intérieur. Vas-y, je t'apporte les abdos. Attends. T'es prête? Ok, vas-y. Oh, les gens, elle a des abdos. Ah oui, j'en ai. Vas-y. Hey, bien. Pourquoi tu pleures, Junior? Hein? Pourquoi tu pleures? Non. J'en ai même plus que... Et j'en ai. Ouais. Ah ouais. Non, dans 5 ans, il y aura plus ça. Il y aura quoi? Ça. Ça. Ah ouais, j'avoue. Il y aura quoi dans 5 ans? Oh, nice. Ça, par contre, ça, c'est vrai. Rendez-vous dans 5 ans.
on a connu le vrai rap, on a de la chance, nous, tu vois.